Yop 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 yop, c'est New Prince, les amis, on se retrouve pour le 28e épisode de ce Let's Play sur Pokémon Lune. Dans la team, les amis, allez, je vous montre la team un petit peu, nous possédons donc, regardez bien, ouvrez bien vos yeux. Archiduc niveau 35 avec Picor, Synthèse, Trancherbe, Petit Sombre, Talent Gris, et il a l'Archésélite et les deux natures mauvais. Bazookan, niveau 33, bec canon, casse-brique, atterrissage, nitrocharge, talent, regard vif, objet tenu, bec pointu, et il est mal poli. Rouillette, malamandre, rebondit feu, machination, dracorage toxique, talent corrosion, niveau 34, et de nature rigide. Ratatak, avec redemort, coup, bave, attaque, machouille, agitation, niveau 33, et de nature relax. Brunos niveau 34, avec cavalerie lourd, double piéton, broche, tacle lourd, talent endurance, objet tenu, la rocazélite, de talent, de nature, pardon, excusez-moi, timide. Et puis c'est tout, voilà, je n'ai pas de sixième Pokémon. C'est pas ma faute, si c'est ma faute, mais on en capturera plus tard. Du coup les amis, je ne sais absolument pas où nous nous trouvons, je ne sais absolument pas ce qu'on doit faire, je sais rien. Oh, il pleut? Les amis, dites-moi dans les commentaires si c'est la première fois qu'il pleut dans un de mes épisodes. Il me semble bien que oui, salut toi. On met la destruction de supermarché sur le dos de ton coton. Mais si tu veux mon avis, ça sera le zéma effectif. On va pas aller bâtir un magasin sur le près de notre gardien. Ah ouais, d'accord. Ok, j'ai rien compris. Non, si, j'ai compris un peu, mais bon. Route 14, ok. Ouais, un combat. Oh. Qui est là? Qui va là? Oh, un gamin. Et si on faisait un combat Pokémon? Hein? Un combat Pokémon? Ça m'intéresse. Allez, c'est parti. Let's go for the battle. Donc, Jérôme le pêcheur veut se battre. Ok, Jérôme. Deux Pokémon. Voyons voir. Je sens qu'on va rigoler. Barbo, d'accord, Barbo est son premier Pokémon, c'est parfait. J'ai en first position notre cher ami Archiduc, on va y aller tranquillement avec une attaque Trancherbe. Ça va bien le trancher. Désolé, Barbo. Trancherbe. Ah, genre il est plus rapide que moi, mais genre. Mais d'où? Rien ne se passe, heureusement d'ailleurs. Vous imaginez, 7ème génération, Trompette, mais il se passe quelque chose. Archiduc est mis KO par l'attaque Trompette. C'est le pouvoir du sol d'Alola. Léviator, ok, on continue quand même avec Archiduc. On continue avec Archiduc, Ballestec. Je sais qu'il est vol et haut. Pour ceux qui, voilà, on me dit, ouais, les Brunty, l'attaque plante, elles sont réduites. Ouais, je sais, I know. Elle est trancherbe. On va voir les dégâts, je dirais quand même un bon 30%. Oui, oui, un bon 30%, oui, c'est à peu près ça. Gros yeux, ouais. Baisse de défense, ok, ok, y a pas de souci. Nos sous-sols, Léviator, trancherbe again. Trancherbe again. Ça devrait faire... Oh, le crit. Ah, le crit. It's a crit. Gros yeux. Ok, ok. Vas-y, balance ton gros yeux. Ça sert à quoi de faire gros yeux, sachant que tu vas pas attaquer. Si tu veux baisser ma défense, autant attaquer, mon garçon. Ah, mais c'est vrai, tu pensais pas qu'il allait avoir un crit. Ah. It's your problem, Léviator. Ok, allez, c'est fait. Désolé, le pêcheur, mais franchement, ton Léviator ne vaut rien du tout. C'est vrai qu'il y avait un contraste de ouf entre Barco et Léviator, mais ça n'a rien changé. Niveau 34 pour Bazooka. Un coup de bec, vrai. Oui, excellente attaque. Bien sûr, on va oublier... On va oublier... va falloir faire un choix. J'oublie atterrissage. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Je suis comme ça, moi j'oublie atterrissage. On se soigne pas. Tant pis. Il en a battu Jérôme. Désolé, GG. Ouais, c'est cool, c'est cool. Du coup, on va continuer la route 14. Wow. Je veux un Pokémon rare. J'irai au bout du monde pour en trouver un. À tout prix, un Pokémon rare. Et va même chez ta mère pour en trouver un, c'est pas mon problème. Deux Pokémon, ok, Scooty. Scooty. Togedemaru. Ok. Il est de quel type celui-là? Électrique, non? Ouais, il a l'air électrique normal ou une connerie comme ça, électrique fait. On tape avec Trancherbe, on va voir les dégâts. Vol magnétique, bon, il est électrique, c'est sûr. Oui, non, mais il a une dégaine de Pachirisu, Pikachu, Deden et compagnie, quoi. Allez, Trancherbe, ça devrait pas faire trop mal, mais bon, ça va faire un petit peu mal. Voilà, un petit peu. On continue avec Trancherbe, on continue. On spam. Frotrimousse, ok, il va forcément me paralyser, c'est relou. Voilà, t'es content, la vie est belle pour toi, Togedemaru. Abstraction de la paralysie, s'il te plaît, merci bien. Voilà, on fait ça, très bien. Et les amis, sous vos yeux. Zébaï, je vous présente. Je vais vous présenter. Attaque Tis Ombre. Zbarat.
Yeah! Allez, salut! Et voilà, niveau 36 pour Archéduc. Bon level, bon level. Bon level. Et Rouillette, niveau 35, excellent level. Karmache. Oh, il a un Karmache, genre. On continue avec Archéduc, les amis. Et là, vous allez voir du spectacle. Ça va être magnifique. Magnifique. La force Z, les amis. Attention. Fureur des plumes spectrales. Let's go! Il a tout gâché avec Tourbisable. Bon, allez. Archéduc, t'es pas paralysé, hein. Magnifique. Archéduc déploie sa force Z comme une aura. Archéduc déploie toute sa puissance de sa force Z. La puissance fureur des plumes spectrales. Oh, c'est magnifique. Trop stylé. Wouah ! Trop beau. Trop, trop beau, en vrai. J'adore. Allez, Karmache. Oh, yo, 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 yo. Par contre, je peux toujours faire des efforts pour une victoire. On a vu ça. T'as pas le level, t'as pas le level, quoi. Je t'ai envoyé une force Z dans la gueule, t'as rien compris. Ah. C'est ici que se déroule l'épreuve. Mais pour entrer, il faut l'autorisation du capitaine. Oh, ça va, là. Il est où, le capitaine, là? Vas-y, moi, je rentre quand même. Mais non, mais il est où, le capitaine, aussi, là? Hé, hey, capitaine, t'es où? C'est toi, le capitaine? Figure-toi qu'un jour, j'ai vu un Pikachu qui connaissait surf. Un Pikachu qui connaissait surf. Bon, je suis sûr que c'est une référence au Pika Kahuna. Au Pika Kuna. Pika Kahuna. Un épisode de la saison 1, les amis, avec un Pikachu surfer. Un Pikachu avec des yeux bleus, rappelez-vous. Remember, pas loin de la Ligue Pokémon. Qui très bien ma montagne pour surfer sur les vagues comme lui. Ok, donc les amis, il n'y a plus rien à faire sur la route 14 apparemment. Il faut voir le capitaine pour pouvoir accéder à l'épreuve. Du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va monter là. On peut pas aller... Ok. Qu'est-ce qu'ils font, les cornèbres? Nèbre. Nèbre corps. Corps. Bon, lui dit nèbre, lui dit corps, lui dit cornèbre. Ils abusent, il n'y en a pas un qui sait dire entièrement son nom. T'as un fait corps, l'autre il fait nèbre, l'autre il fait corps. Mais il n'y en a pas un qui fait cornèbre. Je sais pas, c'est votre nom quand même. Ah, on peut passer là. Je l'ai vu le petit chemin, je l'ai vu, je l'ai vu. Ok, c'est pour l'objet. Potion max. Ouais, bon, moyennement intéressant. Est-ce qu'on peut passer là? Non, on peut pas, bon, ok. Ok, ok. Du coup, les amis, est-ce qu'on peut monter... Ouais, on va retourner ici. On va retourner au centre Pokémon. Et on va aller par là-bas. Enfin, je me suis compris, vous allez voir. Oh, il y a un Tadmorph d'Alola dans le coin là-bas. Hé, hey, Tadmorph, t'es puni? Je crois qu'il est puni. I think qu'il est puni. Oh, on a une sacrée bonne team. Sacrée bonne team. Je me demande quel sera notre sixième et dernier Pokémon. Non, 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 non. Du coup, des herbes, il pleut, ouais. Est-ce qu'il y a un Pokémon de la pluie, tiens? Peut-être, hein, peut-être que ça fait apparaître des Pokémon, la pluie, j'en sais rien. J'ai envie de le capturer, en vrai. J'ai trop envie de le capturer. J'ai une envie folle de le capturer. Si je le tue pas, je vous jure, je le capture. Allez, petit sombre. Ne le tue pas, s'il te plaît. Oh, le sablette d'Alola! Tue pas, tue pas. C'est parfait, il peut plus s'échapper en plus. Mais c'est cool ça. Ou alors c'est moi qui peux plus m'échapper, j'ai pas bien compris. Mais c'est cool, c'est trop 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 cool. Pokéball go. Oh, je le capture. J'avais dit ouais, un seul Pokémon de Kanto d'Alola là. Mais c'est pas grave, Sablette il est bien. J'adore Sablero. 2, 3. Gatodonze. Yes, 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 Sablette est capturé les amis, notre nouvel ami. En fait, ouais, comme je vous l'ai dit, les amis, je voulais pas deux Pokémon de la région de Kanto, des Kanto d'Alola, quoi, Miaou, ses compagnies. Mais franchement, quand j'ai vu le Sablette, là, ça m'a fait comme une sorte de coup de cœur. Je sais pas, j'ai eu une... Waouh, trop bien. Je sais même pas de quel type il est en mode Sablero. Faire glisser des Sablettes le plus loin possible sur la glace lors du concours fait partie des vieilles traditions festives d'Alola. C'est tout? Non, pas de surnom. Eh ben voilà, notre nouvel ami, c'est Sablette, finalement, hein. C'est notre sixième Pokémon.
Je sais pas si j'aurai un autre coup de... En fait, ça... Ouais, ça marche au coup de cœur, les teams. Hein, ouais, ça marche au coup de cœur. Du coup, je suis vraiment content d'avoir capturé. Vraiment, vraiment content. Combo griffe, mur de fer, tranche tête de fer. Ok. De quelle nature il est foufou? Ok, ok. Bon, bah... Il a rideau neige. Attendez, de quel type il est? Est-ce que c'est marqué quelque part? Ah oui, glace acier. Et du coup, je pense que Sablero est aussi glace acier. Mais du coup, dans la team, on n'a pas d'acier, on n'a pas de glace. Ça tombe bien, c'est un nouveau type. C'est juste qu'on n'a pas de Pokémon eau. J'ai la flemme de retourner au centre Pokémon, c'est bon, on va pas y retourner une 50e fois. Du coup, on va lui donner Ballistec, c'est pas grave, voilà, on utilise des potions, tant pis, voilà, c'est la vie. Voilà. Ah bah, c'est une nouvelle recrue. En plus, il me semble que l'évolution n'est pas loin. Peut-être. Ah, je sais pas comment il évolue, en fait. Uh-huh. Ouais, non, bon, bref, on sait pas. Je suis l'assistante. Je suis assistante de l'épreuve. J'ai des sœurs comme toi dans leur tour des îles. Enfin, j'aimerais bien t'aider, mais je dois évaluer ton niveau, c'est ma responsabilité. Bref, repasse me voir quand t'auras battu tous les dresseurs de la route 15. On doit battre tous les dresseurs de la route 15. Oh non. Foyer Ezer, arbre de paix pour hommes et Pokémon. Le foyer Ezer. Le foyer Ezer. Ok, ok. Oh, c'est un Goroutan, c'est ça, il me semble. Goroutan ou Goroutan, je sais pas. Oh, Tilly, t'es sérieux? Ouah, alors si c'est le foyer Ezer. Ah, des inconnus. Vite, vite, faut qu'on prévienne papa et maman. Vous devez vous battre contre nous, c'est la règle. Que quoi? Margie nous a chargé de garder la maison. Ah, Margie avec les cheveux violets. Ouais, mais attends, 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 attends. Margie, elle nous connaît, hein. Castor, le petit veut se battre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Retourne faire du coloriage ou jouer au hobby, mon garçon. Elle est kid. Elle est kid. Un Elekid arrive. Je suis en colère! Force Z! Fureur des plumes spectrales! Allez, c'est parti! Toute la puissance! On y va! Allez, on y va, Archéduc! Fureur des plumes spectrales, on y va, Archéduc! Allez, mon ami, tu one-shot cet Elekid et tu montres à ce petit gamin qui en est! Désolé, Elekid, je sais que t'y es pour rien. Un jour tu te vengeras peut-être, lorsque tu seras un Electek ou peut-être un Elekable. En attendant, j'imagine bien que tu pètes un câble. Pardon. Allez, va rager ailleurs, garçon. T'as vu comment je suis super courageux pour un enfant? Piou, c'était pas de la tarte. Glou. Je suis rentrée. On a fini notre shopping avec la princesse. Oh, vous avez déjà fait des amis, on dirait. Oui, si on veut. Tiens, Lily n'est pas avec toi? Je l'ai laissée avec Polly. Elle nous rejoindra plus tard. En attendant, pourquoi pas ne pas tenter l'épreuve? Après tout, c'est moi la capitaine. Ah, c'est elle la capitaine, en fait. Je savais pas, je m'en doutais pas. Vas-y, viens. Attends-moi devant le foyer. Ah, ok, faut que je sorte. Très bien, très très bien, je sors. Et je t'attends devant. Que me voulez-vous? Laissez-moi. Vas-y, reste tranquille, os. Ton sac là, il a bougé, je l'ai vu, vas-y là. Fais pas la mésorée, os. Fais péter ce qu'il y a dedans, vas-y là. C'est un Pokémon rare, file-le-nous, vas-y. Qu'on fasse un paquet de pognon en revenant, en rendant et tout là, vas-y là, vas-y. Et si c'est un Pokémon rare, bah file-le nous, vas-y, yo! Quand même, vas-y, le Profeos, vas-y là, vas-y, 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 vas-y là, vas-y, file là! Et moi le protecteur. NP! Oui? Qu'est-ce que t'as, toi? T'as vu une demoiselle en détresse, du coup, tu te rends son secours, c'est ça? Tu vas juste taper la fille, t'entends? J'y ris foncièrement. De manière très foncière. Allez, viens, Team Skull. Envoie ton Nortide. Soporifique. Prédiction soporifique. Allez, vas-y, tremble bien, tremble bien, tremble bien. Tissombre. Ça devrait one-shot, à coup sûr. Allez, salut, the best for you. Le meilleur pour toi, mon cher ami. Bonne continuation dans ta vie avec ce gros lourd de la Team Skull. Voilà. On jette une flèche et terminé. Au revoir, ville, malaise!
malaise, le malaise, là, le malaise. Je comprends pas, voilà. Ah, je me tape des barres avec ça, c'est un truc de ouf. Ouais, ce pourri fait qu'adorer, c'est pas juste, ouf, vas-y, je me casse. Vas-y, je me taille. Je vais me tailler les veines aussi. Merci, Annie, tu m'as sauvée. Après m'être séparée de Polly, je suis prête toute seule. Je voulais voir ce que ça faisait d'être dresseuse. Mais comme d'habitude, Doudou a voulu sortir de son sac, tu connais la suite. Allez, Doudou, toi aussi, dis merci à Annie de nous avoir sauvés. Doucement, doucement, calme-toi, calme-toi. Je voudrais t'en faire quelque chose pour te remercier. Tiens, si ça peut t'aider dans ton tour des îles, j'en serais heureuse. 5 luxe bol, moyennement, l'aide est très moyen. 5 pour le prix d'une, ce n'est pas du luxe, alors j'ai pensé à toi. Ouais, bon, merci beaucoup Lily. Hein. Ah, princesse. Oh, mais vous n'avez pas bonne mine. Et si vous reposez un peu au foyer, ça? Mais quelle bonne idée, Mardi, je crois que je vais te prendre au mot. Enpi, pour rejoindre le lieu de l'épreuve, le plus simple c'est de partir du village Toko. Viens avec moi. J'arrive, Margie, j'arrive. Wow, elle tape des sprints. Telle année, l'ex-sprint. Un motissement droit vraiment effrayant, t'es sérieux, motissement? Non, arrête. Moi, j'y vais pas alors. Hein. En vrai, j'y vais pas. Hein. J'arrive, Margie, je t'ai vu. Je vais juste soigner mes Pokémon. Dans le doute, parce que ça se trouve, elle va même pas soigner mes Pokémon. Du coup, dans le doute, je vais quand même. Je vais quand même les soigner. Hein. On ne sait jamais. On ne sait vraiment jamais, jamais. Ok, ça c'est fait. Donc, Margie, je te suis, je te suis, je te suis. Je suis là. Si tu prends la route 14, tu devrais tomber directement sur la zone de l'épreuve. Ouais, j'y suis allé tout à l'heure. Mais on m'a dit, ouais, il faut prendre le capitaine. On va prendre le capitaine, gnagnagna. Du coup, maintenant que j'ai vu le capitaine, enfin la capitaine, je vais pouvoir y accéder. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à monter ces escaliers et tu es arrivé. Ça va, ça va, ça va. C'est tout alors, tout à l'heure que tu m'as dit de pas passer, hein. Ah, te voilà, NP. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Sache d'abord que ce bâtiment est rempli de Pokémon spectres trop choupi. Ça a d'ailleurs un lien avec le contenu de l'épreuve. Il faut que tu trouves Mimiki, le Pokémon dominant, que tu le prennes en photo avec le Pokéscope. Le Pokémon dominant est un sacré polisson. Il adore se cacher et faire peur aux gens. Mais ce qu'il aime le plus, c'est prendre la pose devant l'objectif quand il en voit d'autres. Quand il voit d'autres Pokémon spectres, il faut prendre en photo. C'est si mignon. Je te conseille donc de garder l'œil ouvert et de guetter le moindre phénomène bizarre. Et dès qu'il y a un truc louche, tu peux parier que c'est un Pokémon spectre qui fait des siennes. Bon, montre-moi ton Pokéscope. Oh, Motisma, c'est aussi un Pokémon de type spectre. Quelle coïncidence. Alors, si je retire ça et que je tourne ça dans ce sens-là, et que si je fais ceci, cela, tu peux te barrer chez toi dans la région d'Alola. Pardon. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, tu peux prendre des photos sur le lieu de l'épreuve. J'ai ajouté un mode photo spécial. Mais attention, tu ne pourras l'utiliser qu'ici. L'épreuve démarre à pile au moment où tu entreras dans le bâtiment. N'oublie pas que tu n'as pas le droit de capturer des Pokémon tant que l'épreuve n'est pas finie. Si tu dois sortir au cours de l'épreuve, ce sera considéré comme un abandon. Prépare-toi bien avant d'entrer. Ça va, je suis prêt. Du coup, il va falloir que je prenne des photos si je ne m'abuse pas. Allez, c'est parti, début de l'épreuve, les amis. Ouais. Le tapis roulant de la caisse s'est mis en marche tout seul. Vas-y, là. Le tapis roulant bouge tout seul. Voulez-vous dégainer Pokéscope? Oui, bien sûr, oui, Pokéscope, oui, je veux. Hop là. Hop là. Oh. Je t'ai vu, Fantominus. Fantominus, le Pokémon vous a remarqué. Allez, Fantominus. Fantominus, nus. Oh, les attaques d'Archéduc. Ça va être du gâteau. Ça va être du gâteau. Du gâteau, 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 gâteau. Gâteau, gâteau, gâteau. Tissombre. Voilà. Zbroch. Allez, au revoir. Mais l'épreuve ne va pas être compliquée, je pense. Bah, j'imagine. Vu que... Bah ouais, vu que... Où est Pikachu? Il y a même Pikachu? Ouais. Oh, Pikachu, t'es où, là? Qu'est-ce qui se passe ici? Clang, 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 clang. Un caddie bouge tout seul. Ouais, le caddie, qu'est-ce qu'il a, le caddie? Calme-toi, caddie. Le caddie bouge tout seul. Voulez-vous dégainer le Pokéscope? Ouais.
Allez, c'est parti. Hop là, Spectrum, je t'ai vu. Après, ça sera Ectoplasma, c'est ça? Le Pokémon vous a remarqué. Allez, c'est parti, Spectrum, maintenant. Phantom New, Spectrum, Ectoplasma, j'imagine. Ok. Ah, moi aussi, je sais faire. Hein. Je crois qu'il me fait peur, tu sais. Il croit qu'il me fait peur. Bon, bah, ça va être tranquille, du gâteau. Comme Fantominus, petit sombre. Ah, la one shot, c'est sûr. Allez, salut. Vraiment trop, trop fastoche. Ok, parfait. Encore. Je l'ai vu partir là-bas. On va aller là. Oh. Ça vole tout seul. Oh là là, des peluches qui bougent toutes seules. Qui volent toutes seules même. Les peluches bougent toutes seules. Voulez-vous dégainer le Pokéscope? Ouais. Allez, c'est parti. C'est notre ectoplasma, je dirais. Ouais, ectoplasma. Voilà, c'était sûr, mais c'était sûr. Une évidence, une évidence. Le Pokémon vous a remarqué. Ectoplasma. Comment il faisait dans l'animé? Allez, petit sombre. Du gâteau, comme d'habitude. Ah, il peut pas. À moins qu'il résiste. Non, non, je crois pas. Non, non, non. Non, il peut pas résister. Enfin, non. Non, 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 il peut pas, il peut pas. Voilà. 3 one-shots. 3 one-shots. Et Archiduc monte au niveau 37. Ah, ça commence vraiment là à faire. Et level là. Et Ratatak 34. Cool. Il va prendre Crofatal. Non. Ah non. Ah mais Sablette il prend pas de level. Mais quoi Sablette il prend un level? Oh le Pikachu il est parti, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, il est parti là. Le fourbe, le fourbe. La porte s'est déverrouillée toute seule. Hein, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Vous sentez une présence tapie dans l'ombre qui vous observe. Qu'est-ce que le Pokéscope s'est enclenché tout seul? C'est mystérieux tout ça. Hein? Mais que dois-je faire? Oh, my fucking god! Mimiki! Mimiki! Mimi! Donc c'est lui le Pokémon dominant, c'est ça? Un Mimiki dominant veut se battre. En effet, c'est Mimiki le Pokémon dominant ici. Le Mimiki dominant dégage une aura qui augmente ses stats. Allez, Archiduc, vas-y. Mais ça va être du gâteau aussi, celui-là. Après, il va appeler à l'aide, j'imagine. Attendez, il est niveau 33. Honnêtement, je vais pas... Vous savez quoi? Mais je vais le plier en 2 secondes. Mais je vais le plier en 2 secondes. Je m'en bats les steaks. Je le respecte pas, Griffombre. Ok. Wouah! Il déconne zéro. Inch'Allah, Inch'Allah, je te one-shot. Il déconne zéro. Il déconne zéro, le Mimiki. Oh, il a failli me tuer. Oh, il a l'air vraiment solide. Allez, Archiduc. Allez, mon Archiduc. Allez, mon Archiduc. Fureur spectrale. Allez, allez. Envoie ça, mon garçon. Allez. Allez. One shot, le one shot. On discute même pas avec cette épreuve. Pas de quartier avec cette épreuve. Pas de quartier. Hein? Hein? Ah, je préfère. Mais comment je le tue? Comment je le tue? Il appelle du renfort en plus. Mais attendez, je dois enlever son déguisement là, mais fallait l'attaquer une fois pour enlever son déguisement et ensuite attaquer. Mais non, mais je peux pas, mais c'est pas possible. Faire synthèse en espérant être plus rapide que tout le monde, mais ça m'étonnerait. Kuba, Griffombre, oh mais c'est pas possible. Non mais attendez, 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 il y a un problème là avec Mimiki, mais comment je fais moi pour lui enlever son truc? C'est pas possible, mais c'est impossible. Bazookan, vas-y. Waouh. Moi je pensais que l'épreuve allait être pliée en 2 secondes. Je pensais que l'épreuve allait être pliée en 2 secondes, mais pas du tout en fait, pas du tout. Becvri, tiens, allez, Becvri sur Mimiki. Et comment on lui enlève de la vie? Il fallait l'attaquer une fois, c'est ça, pour lui enlever son déguisement? Enfin, son truc? Il fait Kuba. Ouais, ok, copie, ok, allez, Becvri. Faut que ça enlève de la vie quand même. Ah, ça y est, enfin. Ouais, c'est ça, fallait attaquer une fois, et l'une fois c'était la force Z. J'étais un peu stupide, mais c'est pas grave. Allez, Becvri encore, mon cher ami. On s'occupe de toi, Mimiki, on s'occupe de toi. Le Kuba, voilà, c'est bon.
copie, du coup, il va faire bec vrille. Ça devrait, a priori, bien se passer. Et là, est-ce qu'on le tue? Ah, on le tue pas. Allez, bec vrille again. On l'achève. J'espère qu'il a pas un truc qui le soigne, tout simplement. J'espère que rien le soigne. Câlinerie. Non, tout met pas ça. Non. Ah, il m'énerve. Bon, c'est chiant. Bon, vas-y, va faire Kuba, j'imagine. Est-ce que le Kuba fonctionne quand le Pokémon est endormi? Ouais, ça fonctionne. Ça tue pas. Lui, il va me tuer derrière. Avec ma propre attaque Begvry. Hein. C'est pas grave. Allez, t'as mis en micam. Archiduc et Bazookan KO. Hein. Ratatac, vas-y. Ratatac. Je vais faire. Quoique s'il fait copie. J'ai envie de faire Kuba sur Mimiki, mais s'il fait copie. On va plutôt faire Machouille. Ouais, on fait Machouille plutôt. Allez, Machouille. Après, normalement, il s'occupe facilement de Spectrum. J'espère, Ratatac. Hein. Par contre, faut pas qu'il mise. Oh non! Bah oui, forcément. Oh là 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 là. Eh, mais je pensais que ça allait être du gâteau, moi, honnêtement. Je pensais que ça allait être du gâteau, les amis. Je pensais que ça allait être rien du tout. J'ai vu que je one-shotais Fantominus, Spectrum, Ectoplasma. Après, Mimiki, bon, elle était une petite flèche. Mais en fait, non, rien à voir. Allez, à Dracorage, du coup, sur Mimiki. Qu'est-ce qui va se passer? Kuba, ouais, on devrait... On le tanque très très bien. Très très bien, Griffombre. On devrait bien le tanker aussi, normalement. Et normalement, là, on l'a... Hein? Il craint pas les attaques dragons. Ah, mais il est fait! Mais quel crétin! Normalement, là, les amis, tout devrait bien se passer parce que le Spectrum, c'est quasiment sûr qu'il fait Kuba. Il va faire Kuba, j'imagine. Du coup, moi, je me soigne. On va être attaqué par le Mimiki, puis après, on le dépasse. Enfin, j'espère. Ou on peut tanker deux Griffombre. Ah, mais s'il fait des crits, c'est pas possible. Mais quel idiot! Mais Mimiki, il est de quel type? Spectre est fait! En plus, il avait fait Ombre Nocturne, l'autre. Bourinos, vas-y. Et à un moment, je vais utiliser un rappel, c'est obligé, j'ai pas le choix, là. Comment voulez-vous que je fasse? Bon, Bourinos, toi, oh, mais toi, tu déconnes zéro, on est d'accord, mon cher ami. Hein. Allez, cavalerie lourde. On rigole plus. Allez, Bourinos. Câlinerie. Ouais, ok. Allez, endurance, voilà. Ah, mais purée, mais j'arrive pas, mais c'est pas possible. En plus, il mise même pas hypnose. Vas-y, là. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste du tout, c'est pas juste. Mais sérieux, mais je suis bête, pourquoi j'ai pas fait rebondi-feu? Ah, c'est chiant, vas-y, fais Kuba, s'il te plaît, Spectrum. Vas-y, fais Kuba. Ok, endurance, du coup. Ah oui, parce qu'il me semble que... Ah oui, c'est physique. Ombre nocturne, ok. Si tu veux. Voilà, l'endurance monte bien. On va redonner une potion à Bourinos. Il faudrait qu'il se réveille au bout d'un moment. Je sais que Bourinos est capable de les péter tous les deux. Mais il faut juste que Spectrum n'utilise soit pas... faut juste qu'il n'utilise pas l'attaque hypnose ou qu'il la misse. C'est un des deux. Mais son câlinerie, là, je ne veux plus le sentir au bout d'un moment. Hein. Pff, ouais, je le sens même plus, là. Là c'est franchement... Ouais, là, je suis vraiment boosté en défense. Les chouilles, ok. Il n'y a pas de paralysie qui tienne, vu que je dors. Du coup, là, on va attaquer. Allez, cavalerie lourde. Il faut que tu te réveilles, ça serait cool, Bourinos. Ça serait cool qu'il se réveille. Il faut que tu te réveilles, t'as pas le choix, Bourinos. C'est bon, ça touche même plus. Mimiki peut plus rien faire là. Ombre nocturne, ok. Ouais. J'ai peur juste d'un crit en fait. S'il te plaît, réveille-toi. Tue-moi ce Mimiki, s'il te plaît, Bourinos. Bon, ça va rien faire du tout. En fait, c'est galère. J'étais loin d'imaginer que ça allait être aussi galère. Mais non, mais réveille-toi! C'est bon, là! Franchement, c'est bon au bout d'un moment. Réveille-toi! Allez, cavalerie lourde, Bourinos! Vas-y, fais câlinerie, ombre nocturne, tout ça. Par contre, pas de crit, hein. Faut absolument pas manger un crit.
Faut vraiment, vraiment pas manger un crit. Le PV. Oh my fucking god, un PV quoi. Un PV. Bourinos monte au niveau 35, cool. Le PV quand même, le PV. Oh là 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 là. Les hyper potions, normalement tout devrait bien se passer à partir de maintenant les amis. Tout devrait bien se passer, le spectrum on va le régler en deux temps, trois mouvements, il a sûrement lévitation. Enfin je sais pas, quoique non. Ectoplasma perd le talent lévitation. Et du coup spectrum l'a pas je pense. On va en être sûr là, on va avoir le cœur net, allez, cavalerie lourde. Pff, il est chiant avec ça. Ah, Spectrum à lévitation, d'accord. Bon, mais c'est un peu relou, bon, tombe-roche, allez. Par contre, pas d'hypnose. Bonjour, je suis le relou de service qui adore endormir ton bourrinos. Relou de service, ok, allez, sac, c'est parti. Un petit rappel. Sont les rappels? J'ai plus de rappels? Ah si, ils sont là. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais plus de rappels. On va rappeler Archéduc. Ouais, plutôt Archéduc. Ton broche, réveille-toi. Normalement, il peut tanker encore une attaque ombre nocturne. Ce serait bien qu'il se réveille juste après. Comme ça, si jamais il se réveille juste après, on baisse sa vitesse, peut-être qu'on le dépasse et qu'on le tue en deux tombes rush. Rien ne se passe comme je le veux de toute façon. Vas-y, tue-moi. Vas-y, t'as raison. C'est bien, voilà, bravo. C'est bien Spectrum. Mais c'est bon, on a battu le Pokémon dominant, là. Sérieux, c'est un Spectrum qui nous met en PLS, mais lol. Vas-y, Archéduc, viens, s'il te plaît. Viens lui balancer une flèche dans la gueule à ce fantôme dégénéré de la tour de la terreur, comment l'appeler. À l'avant-ville, là. La tour de la terreur. Zbratch! On a battu Mimiki, le Pokémon dominant. Yes. Épreuve réussie. Mimiki s'est carapaté sans demander son reste. Vous avez une nouvelle image dans votre Pokéscope. C'est une photo floue de Mimiki. Oh, balestec, elle soit floue. Oh, ce match. Oh, c'était bien galère. Hein. C'était bien galère. Hein. Waouh. Bonne galère. Hein. Bonne galère. Enpi, tu es de retour. Vite, montre-moi toutes les photos que tu as prises. Oh, trop bien, c'est Mimiki. C'est un petit peu flou, mais c'est super d'avoir réussi à prendre ce petit filou en photo. Oui. Ah là là, c'était bien galère. Hein. Bonne galère. Épreuve réussie, les amis. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment très, très, très plaisir. Elle est à nous. Yes. Vous avez maintenant une spectrozélite. Si tu veux utiliser les pouvoirs du cristal Z de type spectre, il faut prendre cette pose. Mais je l'utilisais déjà un petit peu avec l'archézélite, je crois, non? Maintenant, tu as réussi mon épreuve, que tu rejoindras, tu peux retourner à l'intérieur pour attraper tous les Pokémon que tu veux. 10 sombres bols, merci beaucoup. Ça sert toujours d'avoir des Pokémon de type spectre dans son équipe. Ouais, bon... J'en ai un. Hein, tu dis que le Pokéscope se sera enclenché tout seul pendant l'épreuve? Arrête de me faire marcher. Et ton histoire de pièces au fond du magasin, ça ne prend pas non plus. Je sais très bien qu'il n'y a rien derrière, tu m'auras pas comme ça. Bah si. Brrr, je sais pas pourquoi je défrise son d'un seul coup. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Il y a un truc derrière. Eh, vous avez vu? J'ai vu un truc derrière. Je vous jure, j'ai vu un truc. Les amis, peut-être que dans le prochain épisode, nous verrons ce qu'est le truc. N'oubliez pas le petit like. Épreuve réussie, les amis. À la prochaine.